Un miracle, chapitre 4, les illusions de l'ego. Introduction de ma part. Je m'appuie sur l'image suivante que j'affiche. C'est une la palissade que d'affirmer qu'il ne se passe rien au ciel parce que le ciel est l'univers de l'éternité. Il n'y a pas d'activité de la pensée au ciel ni quoi que ce soit d'autre, sauf demeurer dans l'amour ou l'unité parfaite. Dieu et toutes ses créations au ciel vivent dans un état de quiétude et de félicité permanente en dehors du ciel, donc dans le rêve, il a semblé se passer quelque chose une seule fois et cette chose est déjà terminée. Par conséquent, cette chose étant essentiellement constituée de pensées, toutes les pensées sont déjà disponibles et aucune pensée n'est produite à nouveau. Ainsi, la condition du rêve est comparable à un film déjà terminé et enregistré sur une pellicule cinématographique unique. Celle-ci est vue de manière séquentielle par des consciences restreintes. Toutefois, chaque conscience en a une zone de perception variable, un champ de perception, ceci en fonction de son élargissement. Dans tous les cas, la fonction de la pensée consiste simplement à choisir les pensées dont je veux faire l'expérience de sorte qu'elles racontent l'histoire de mon rêve tel que je l'ai voulu. À chaque seconde correspondent les pensées du Saint-Esprit et leur équivalent qui sert l'ego. L'histoire de mon rêve étant racontée d'avance, ma seule liberté est de choisir d'écouter le Saint-Esprit ou l'ego à chaque instant quant à comment interpréter les images que je vois. Dans le premier cas, je fais un miracle et je suis le miracle de Dieu. Dans le second cas, je fais la magie et je suis un ego. Je détermine de cette façon la prochaine étape de mon rêve en fonction donc de mon interprétation de la pensée actuelle à l'instant présent au moment présent. Le pardon est le fait de choisir une pensée du Saint-Esprit à l'effet de munir à mon frère. Ce faisant, je me rapproche du ciel en guérissant mon esprit. Le jugement est le fait de choisir une pensée de l'ego à l'effet de me distinguer de mon frère. Ce faisant, l'idée de lui se cache à ma conscience et mon esprit est blessé. Passons maintenant à la lecture phrase par phrase d'un courant miracle chapitre 4, les illusions de l'ego, section introductive. Paragraphe 1, phrase 1, phrase 1. La Bible dit que tu devrais aller avec un frère deux fois plus loin qu'il le demande. Cette pensée est dans la Bible clairement ainsi dit. Elle signifie que quand un frère veut faire chemin avec nous vers le ciel, nous devons l'accepter et faire même plus que ce qu'il ne nous demande, nous rendre disponibles, nous dévouer à lui afin d'accélérer son retour au ciel selon son désir. Donc, ce qu'il y a à faire dans le rêve est une seule chose, c'est se retourner au ciel. Et la seule demande sensée qu'un frère peut nous adresser dans le rêve, c'est de l'aider à accélérer son retour vers le ciel. Toute autre pensée est une illusion, toute autre pensée est une distraction. Quand on rêve, la seule chose intéressante à faire dans un rêve, c'est de vouloir se réveiller pour retourner à la réalité, parce que tout ce qui se passe dans un rêve n'est d'aucune utilité. Phrase 2. Elle ne suggère certainement pas que tu le retardes dans son voyage. Quand nous nous mettons ensemble pour retourner au ciel dans une alliance fraternelle, il n'est pas question que l'un retarde l'autre. Au contraire, phrase 3. Ton dévouement pour un frère ne peut pas te retarder non plus. Donc ni lui ni moi. Quand nous nous mettons ensemble pour retourner au ciel avec des leçons de pardon, avec l'étude commune du cours et que sais-je encore, ça ne devrait pas nous retarder dans notre démarche spirituelle pour retourner à notre réalité au ciel. Phrase 4. Il ne peut conduire qu'à un progrès mutuel. Donc, quand on se met ensemble, nous, nos efforts seront additionner ou multiplier et notre retour sera donc ainsi accéléré parce que l'un servira de test pour l'autre à chaque seconde, à chaque instant et nous allons ainsi apprendre des leçons de pardon mutuellement. Phrase 5. Un développement authentique a pour résultat l'inspiration, correctement compris, ce mot est l'opposé de fatigue. Déjà, nous apprenons ici qu'il y a une correspondance entre l'inspiration et la fatigue. Donc, quand un cours à miracle dit que je suis fatigué, ça dit que je suis conduit par l'ego parce que l'inspiration est le fait d'être conduit par le Saint-Esprit. Donc, chaque fois que nous voyons le mot fatigue dans un cours à miracle, cela signifie que nous sommes conduits par l'ego, par opposition à l'inspiration, quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Donc, ici, nous apprenons que quand nous nous mettons ensemble avec un frère en alliance pour retourner au ciel, nous invitons le Saint-Esprit à dans notre alliance pour nous faciliter les choses, pour nous enseigner les choses, pour devenir notre enseignant commun, pour guérir nos deux esprits, parce que le Saint-Esprit, quand il voit le point de désir de l'unité qui se pointe, il s'invite tout de suite parce qu'il aime l'unité et il veut que les fils du même Père soient unis. Phrase 6. Être fatigué, c'est être désinspiré, mais être inspiré, c'est être dans le pur esprit. Donc être fatigué, c'est être conduit par l'ego, c'est écouter l'ego, mais être inspiré, c'est être conduit par le Saint-Esprit. C'est donc être dans le pur esprit qui est la seule réalité, qui est le seul esprit réel dans lequel sont Dieu, le Saint-Esprit et le Christ et tout ce qui est réel. Phrase 7. Être égocentrique, c'est être désinspiré, alors qu'être centré sur soi au sens juste, c'est être inspiré ou dans le pur esprit. Nous en le mot égocentrisme dans le rêve, qu'on pour dire qu'on est vantard, qu'on aime être le centre du monde. Mais dans un cours à miracle, l'égocentrisme veut dire qu'on écoute l'ego et qu'on croit que l'ego est la vérité. Donc que la dualité est la vérité, étant donné que l'ego est l'idée de la séparation, l'idée de la dualité. Donc être égocentrique, c'est être désinspiré, c'est-à-dire écouter l'ego, croire que le rêve est réel, croire que la dualité est la vérité, c'est être désinspiré, c'est ne pas écouter le Saint-Esprit. Alors que être centré sur soi, donc sur le soi réel qui est le Saint-Esprit, c'est être inspiré ou être dans le pur esprit. Phrase 8. Ceux qui sont vraiment inspirés sont illuminés et ils ne peuvent demeurer dans les ténèbres. Donc, dès l'instant où nous écoutons toujours le Saint-Esprit et jamais l'ego, nous sommes dits illuminés et nous ne pouvons plus jamais choisir les ténèbres, nous ne pouvons plus jamais écouter l'ego, nous ne pouvons plus jamais croire que le monde est réel et que la matière est réelle. Paragraphe 2. Phrase 1. Ce que tu dis peut venir du pur esprit ou de l'ego, à ton choix. Donc, les pensées que nous recevons peuvent venir soit du pur esprit, soit de l'ego, c'est-à-dire soit du Saint-Esprit, soit de l'ego à notre choix. Le Saint-Esprit étant l'Esprit de Dieu qui demeure dans le pur esprit. Puisque le pur esprit est la seule idée réelle. Phrase 2. Si ce que tu dis vient du pur esprit, tu as choisi d'être calme et de reconnaître que je suis Dieu. Donc, quand nous écoutons le pur esprit ou le Saint-Esprit, c'est une manière de choisir Dieu, c'est une manière de choisir que nous voulons retourner au ciel parce que nous allons apprendre à penser comme Dieu et nous serons donc calmes parce que nous avons reconnu que Dieu est et qu'il n'y a rien d'autre. Donc, le fait de choisir d'écouter le Saint-Esprit, c'est la décision que je prends de vouloir apprendre à penser comme Dieu pour retourner chez moi au ciel. Phrase 3. Ces mots sont inspirés parce qu'ils reflètent la connaissance. Dans les mots qui précèdent, sont inspirés parce qu'ils reflètent l'unité parfaite, ils reflètent le désir de retourner au ciel, ils reflètent le désir de devenir amour, ils reflètent le désir de penser comme Dieu. C'est en cela qu'ils sont inspirés, c'est-à-dire qu'ils sont inspirés par le Saint-Esprit, ça veut dire que nous avons choisi les pensées qui viennent du Saint-Esprit. Toutes les pensées étant déjà disponibles, comme nous avons vu en introduction. Nous avons la liberté uniquement de choisir soit les pensées du Saint-Esprit, soit celles de l'ego, en écoutant le Saint-Esprit ou en écoutant l'ego. Donc, le, la phrase 2 est une pensée qui vient du Saint-Esprit parce qu'elle me renvoie à la connaissance de la vérité et me renvoie au désir de connaître Dieu et de retourner au ciel. Phrase 4. Si ce que tu dis vient de l'ego, tu désavoues la connaissance au lieu de l'affirmer ainsi, tu te désinspires. Il faut savoir que la connaissance d'un cours à miracle est l'opposé de la perception. Donc, soit on connaît parce qu'on ne voit pas quand on est illimité, soit on perçoit parce qu'on est limité et on voit avec quelque chose qui ressemble aux yeux physiques, on voit quelque chose qui n'est pas soi. Dans la perception, on est possible que quand on voit ce qui n'est pas soi, alors que dans la connaissance, on est seul. En tant que seul, parce qu'on est illimité et qu'on remplit tout, on ne peut pas voir. Donc, la connaissance est toujours un synonyme du ciel dans un courant miracle, pendant que la perception est toujours un synonyme du rêve. Donc, si ce que tu dis vient de l'ego, ce que tu n'as pas envie de retourner à la connaissance, ce que tu n'as pas envie de retourner au ciel, ce que tu, as, tu préfères rester dans le rêve, ce que tu préfères être désinspiré. Phrase 5. Ne t'embarque pas dans d'inutiles voyages parce qu'ils sont cette vingt. Dans le rêve, il y a ce que nous appelons les persécutions et les épreuves. Elles ne sont pas du tout utiles. Le coup nous demande de ne pas chercher les épreuves, les persécutions et la souffrance dans le rêve, soit disant au nom de Dieu. Ça ne sert à rien pour notre retour au ciel. La seule chose utile à faire dans un rêve est de se réveiller. Phrase 6. L'ego le souhaite peut-être, mais le pur esprit ne peut pas s'y embarquer. Parce qu'il est à jamais un désireux de quitter son fondement. Nous devons comprendre que dans le rêve, nous avons deux identités en permanence qui sont en conflit. L'identité égo et l'identité miracle. Les deux sont en permanence actives tant que nous n'avons pas encore choisi clairement une seule des deux. Quand nous avons choisi clairement le miracle, nous devenons illuminés et l'égo disparaît dans notre conscience. Mais aussi longtemps que nous croyons que le monde est réel et que la matière est réelle et que nous sommes réellement ici, nous basculons entre les deux identités à chaque seconde. Donc l'identité égo, va nous encourager à chercher la souffrance au nom de Dieu, à chercher la persécution, à chercher à perdre à Dieu par nos efforts. Le cours nous dit que tout cela est inutile. Nous sommes déjà au ciel et que ce que nous voyons dans nos rêves n'est tant que des images qui ne sont pas réelles. Même si nous devons jouer avec elles pour nous entraîner à penser comme au ciel, elles ne sont pas réelles. Donc qu'elles souffrent, qu'elles ne souffrent pas, ce n'est de aucun intérêt pour notre retour au ciel. Et Dieu ne veut pas du tout que nous souffrions dans nos mêmes dents de rêve. Paragraphe 3, phrase 1. Le voyage à la croix devrait être le dernier voyage inutile. Il s'agit ici de la crucifixion de Jésus qui est l'auteur de ce livre. Jésus dit qu'il a certes laissé accepter d'être conduit à la croix, parce que c'était dans son curriculum, c'était dans son script, c'était dans son histoire du rêve, c'était dans l'histoire du personnage qu'il a choisi dans le rêve, que d'aller à la croix, et il a accepté. Mais nous ne sommes pas appelés à aller nous aussi à la croix, de nous laisser lapider, de nous laisser crucifier, de nous laisser torturer, soi-disant, au nom de Jésus. Son voyage à la croix, sa crucifixion a été faite pour chacun de nous et elle était d'ailleurs inutile, même la sienne, si ce n'est le fait qu'elle avait une leçon à nous enseigner. Phrase 2. Ne t'y attarde pas, mais écarte-le comme chose accomplie. Donc, n'essaye pas de chercher à te faire crucifier comme pour simuler ma crucifixion, comme pour plaire à Dieu. Considère que ça a été fait pour toi et pour moi quand j'ai été crucifié. Si jamais tu tiens à être crucifié. Phrase 3. Si tu peux l'accepter comme étant ta, ton propre dernier voyage inutile, tu es libre aussi de te joindre à ma résurrection. Donc, si tu acceptes que ma crucifixion était la tienne, alors tu peux aussi accepter que ma résurrection était la tienne et considérer que tu es de l'avant au ciel et que tu n'es plus ici, tu n'es plus dans le rêve, tu n'es plus dans le monde, tu es déjà au ciel avec moi, quand bien même tu continues encore de rêver de ce que tu es ici. Donc, autant ma crucifixion était pour nous tous parce que tout ce qui fait a été fait pour nous tous, autant ma résurrection est aussi pour nous tous. Phrase 4, jusqu'à ce que tu le fasses, ta vie est certes gaspillée. Donc, si longtemps que je n'ai pas accepté que la résurrection du Christ est la mienne, de Jésus est la mienne et que je suis déjà au ciel, je vais m'occuper à travailler, à faire la religion, à faire la spiritualité, à faire des activités, à faire, je sais pas moi, des efforts pour retourner au ciel, mais c'est du gaspillage du temps inutile, c'est des distractions pernicieuses qui ne me servent à rien. La seule chose utile à faire dans un rêve est de vouloir se réveiller, et le moyen de se réveiller est de pratiquer le pardon, qui consiste à reconnaître que le rêve est ce qu'il est, c'est-à-dire rien, afin que je puisse donc retourner à la réalité. Je l'ai dit déjà dans certaines vidéos, il y a plusieurs univers, et ma responsabilité est de choisir celui que je voudrais faire mien, celui dans lequel je veux être, celui que je considère comme étant réel. Si le rêve est pour moi mon univers réel, je suis en train de dire que je n'en veux plus un autre et je veux rester dans le rêve. Dans ma manière de vouloir rentrer au ciel, c'est d'abord de dire au rêve que je ne suis pas chez moi ici, afin que mon esprit comprenne que je cherche une autre réalité. Mais encore, il faut préciser quelle réalité je veux. En pensant comme Dieu, je précise dans mon esprit que je veux la réalité de Dieu et non pas une réalité parallèle et une autre réalité transcendante. Phrase 5. Elle reproduit simplement la séparation, la perte de pouvoir, les futures tentatives de l'ego pour faire réparation et finalement la crucifixion du corps ou la mort. Donc aussi longtemps que je ne choisis pas de pratiquer uniquement le pardon pour entrer au ciel, je vais passer mon temps à faire la séparation, la perte de pouvoir, les futures tentatives de l'ego pour faire réparation de quoi que ce soit, de me réconcilier avec Dieu, que sais-je encore. Et finalement, je vais me faire crucifier et je serai mis à mort et puis c'est tout. Je reviens, je repars, je reviens, je repars. Le cours appelle ça. Le cycle des réincarnations rêvé, le cycle des naissances et des morts rêvé, aussi longtemps que je ne suis pas sorti du rêve. Phrase 6. De telles répétitions sont interminables jusqu'à ce qu'elles soient volontairement abandonnées. Donc je vais naître, mourir, naître, mourir, naître, mourir, revenir, toujours faire les mêmes répétitions, jusqu'au jour où je dirais qu'il ne veut plus les faire, alors je vais commencer à pratiquer le pardon pour pouvoir sortir du rêve et retourner à la réalité et ainsi oublier le rêve qui va disparaître de ma conscience. Phrase 7. Ne fais pas l'erreur pathétique de te tamponner à la bonne vieille croix. Ne fais pas l'erreur pathétique de croire que la persécution glorifie Dieu, que la souffrance est ce que Dieu veut pour toi. Non, Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu demeures dans le rêve éternellement. Dieu veut que tu te réveilles et pour te réveiller, tu dois montrer au rêve que tu n'es pas chez toi ici afin que tu puisses donc choisir une autre réalité qui est celle de Dieu. Donc, ne t'attarde pas au plaisir de rituel de la souffrance et des efforts pour sortir du rêve. Travaille simplement à pratiquer le pardon afin de te réveiller et de te retrouver au ciel que tu n'as jamais réellement quitté. Phrase 8. Le seul message de la crucifixion, c'est que tu peux vaincre la croix. Le seul message de la crucifixion, c'est de te montrer que rien ne doit te dissuader de vouloir retourner chez toi, même pas la crucifixion, même pas la croix. Quand il s'agit de rentrer au ciel, peu importe les peuples que tu rencontres, elles doivent être rien pour toi parce que... Tu sais ce que tu veux. Tu connais l'héritage qu'il y a derrière cette épreuve. Et c'est pas forcément une épreuve que tu as choisie, mais elle est dans ton, et dans ton script. Tu l'acceptes et tu traverses cette épreuve. Tu dois traverser les ténèbres. Tu dois les regarder afin de pouvoir te retrouver dans la lumière. Chacun de nous étant dans les ténèbres, nous devons en sortir. Et pour en sortir, nous devons les regarder. Ne pas les regarder, c'est les protéger. C'est dire que nous en avons peur, c'est les rendre réels. Dans le tunnel noir que nous voyons quand nous décédons, quand pour rentrer, rentrer au ciel, c'est un tunnel qui représente l'esprit faux, qui représente les ténèbres dans lesquelles nous nous sommes nous devons le traverser courageusement en le regardant pour nous retrouver dans la lumière et pour nous retrouver au ciel c'est cela que nous devons considérer comme étant la dernière épreuve pour arriver à la lumière c'est cela vaincre la croix c'est cela vaincre les ténèbres c'est cela vaincre le monde le regarder sans peur parce qu'on sait qu'il n'est rien et parce qu'on sait qu'après lui il y a ce que nous voulons le ciel phrase 9 d'ici là tu es libre de te crucifier toi-même aussi souvent que tu choisis de le faire si c'est ton choix et ton plaisir de te crucifier, de t'amuser à souffrir pour Dieu, fais-le. Il n'y a aucun mal. C ce n'est qu'un rêve. Tout ce que nous faisons dans le rêve n'est pas important. Si le choix est pour nous de souffrir, de nous crucifier, de croire glorifier Dieu par les épreuves et les tentations voulues et recherchées, faisons-le. Mais le cours nous dit que ça ne nous sert à rien. La seule chose importante, c'est de se réveiller. Et le réveil n'est possible que quand on a pratiqué le pardon. C'est-à-dire que nous avons démontré par A plus B clairement au rêve que nous ne sommes pas chez nous ici, afin que l'Esprit se dispose donc à chercher une autre réalité à laquelle nous voulons appartenir. Et le mieux, c'est de préciser quelle réalité nous voulons, à savoir celle du ciel et comment le faire en apprenant au pied du Saint-Esprit à penser comme Dieu. Phrase 10. Ce n'est pas cet évangile que j'avais l'intention de t'offrir. Je ne suis pas venu t'offrir l'évangile de la souffrance et de la persécution. Je ne suis pas venu t'apprendre à porter les croix, à te laisser crucifier, à te laisser fouetter, à te laisser torturer au soi-disant nom de Dieu, au soi-disant nom de Jésus. Non. Loin de là, c'est pas cet évangile que Jésus est venu nous donner. Phrase 11. Nous avons un autre voyage à entreprendre et ces leçons t'aideront à t'y préparer si tu les lis attentivement. Nous avons un voyage plus exaltant à effectuer. Ce voyage nous reconduit au ciel. C'est un voyage qui passe par des leçons de pardon. C'est un voyage dans lequel nous allons rencontrer des difficultés, certes, mais nous savons que nous avons déjà la victoire puisque nous sommes déjà au ciel et puisque ce n'est qu'un rêve. Donc, on va s'amuser ensemble à apprendre des leçons de pardon et au bout du compte, nous allons nous retrouver au ciel à condition que tu étudies bien ce cours et que tu fasses assidûment des exercices de pardon. Fin de la lecture phrase par phrase d'un courant miracle au chapitre 4, les illusions de l'ego, section introductive. Je vous remercie, au plaisir et à bientôt. Bye bye.